faites quelque chose qui ne répond pas à une nécessité absolue. Faire de la musique ou ne pas en faire, je ne dis pas que c'est la même chose. Je ne pourrais pas vivre sans musique, mais on sait qu'il y a des millions de gens qui vivent très bien sans musique. C'est un luxe. L'Orchestre Philharmonique, c'est un orchestre qui me frappe toujours parce que c'est un orchestre de jeunes. C'est tout simplement à la fois un changement de génération et l'agrandissement de l'orchestre. Donc changement de génération, changement de mentalité, il y a 21 nationalités actuellement, ce qui est tout de même énorme. C'est évidemment un mélange, comme on dit aujourd'hui, un melting pot de cultures différentes, ce qui musicalement n'est pas toujours facile, parce que c'est évidemment, ça veut dire aussi des écoles différentes, des éducations sur le plan purement instrumental, très différentes parfois, qu'il faut essayer de faire fusionner, ce qui n'est pas toujours évident. Mais c'est un orchestre plein d'enthousiasme qui, à mon avis, a un potentiel énorme. C'est une chose très spéciale de jouer dans le collectif qui, pour beaucoup, est quelque chose d'absolument incompréhensible parce qu'encore une fois, ils pensent que la musique, c'est forcément se produire seul. Donc c'est un métier collectif avec tout ce que cela entraîne aussi comme difficulté. C'est une chose très spéciale, mais c'est un métier merveilleux. Je pense que c'est vraiment une réussite sur le plan architectural. Je parle du bâtiment, je ne parle pas de l'environnement. Et puis il y a une programmation extraordinaire. Mon collègue Mathias Nask a non seulement réussi à faire une programmation extraordinaire, mais aussi à drainer un public tout à fait nouveau qu'on ne connaissait pas avant, un public très cosmopolite. C'est une chose à la fois pas palpable pour quelqu'un qui n'aime pas l'art, qui n'aime pas la musique, qui n'aime pas les vibrations, puisque c'est des vibrations dans l'air, et en même temps c'est quelque chose d'extraordinaire parce que ça se prépare comme une montre suisse.